Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle partie Europa Universalis 4 avec mon camarade Serikai. Salut Seré! Bonjour la population. Passe. Hop, là la partie chou. Tiens, ah oui, j'enlève la pause. Grâce mes ennemis, c'est beau. Voir un navire au fond de la mer. Tiens, copain. Ah oui, tu t'es un peu fait défoncer pour l'instant. Bon, balance totalement. Tiens. Royal mariage. Je préfère me marier avec toi. Ça, c'est un truc. Il faudrait que je me penche un peu vraiment sur ça. Parce que c'est le truc où je suis encore pas bon. Ah, voilà. J'ai une queen consort. Oh, c'est ta famille, la reine. Ingeborg Flood. En même temps, tu vas me dire, le mec, il se tape de la castillane, de l'anglaise. Ou la norvégienne. Novgorod me met en rival, mais t'as pas autre chose à faire, Novgorod? Tu m'étonnes, l'autre il sait même pas que t'existes quoi. C'est Duke Si, of j'ai une frontière avec lui, Coimbra. mais bon. Très Avec déficient de lui, si mais. petit pour on va prendre ça. Novgorod, ta priorité, c'est Moscou. Ben oui. Ben il a fait la paix, ça y est, il s'est fait à moitié défoncer. Donc. La Castille. Perdu mon Cassius Belli à qui? Avec la Castille. La Castille m'a insulté. D'où qui m'a insulté cet enculé? Ah, comme ça, je vois. Ah, tu t'es bien fait défoncer. J'ai pas compris ton idée là. C'est con. Puisse rejeter. Quoique, ouais, dès qu'on fait une nation coloniale, on se casse. Ah, c'est ça. Dac. Enfin, dès qu'elle a un petit peu de gueule quand même, qu'elle ressemble à quelque chose. Ouais. Dépendance. Plus longtemps chez moi, ça devrait être bon. Dans ces provinces. Donc, qu'est-ce qu'il te proposait la Frisland? Je pense qu'il voulait te piller ta race. Il voulait te piquer des strings. Non, il voulait faire une paix en fuyant son fric. Ah oui, parce qu'il est plus là l'autre. Ah, voilà. Un noble avec une strong claim. Voilà. Plus de personnalité. Non, pas Joao, il s'appelle pas Joao, c'est un portugais. Un portugais, ça s'appelle. Ça s'appelle comment un portugais? On leur faisait l'offre. Ah, série, comment ça s'appelle un portugais? Quand ça naît. Non! Parce que moi, Manuel. c'est... Non. Manuel, oui, Manuel, c'est un Manuel. Mais moi, c'est le roi. Donc il Je s'appelle... préfère intellectuel. Intellectuel. Exactement. C'est comme la blague, pourquoi les Portugais, ils appellent tous leur fils Manuel, hein, parce qu'intellectuel, c'est pas un prénom. Eh ben si, nous avons donc... Ouais, on va se faire encore... Après, tu m'étonnes des fois que je me fasse striker mes vidéos, mais tu vois, il s'appelle Intellectuel Dervis. Putain, le con, il pouvait pas virer sa flotte là. J'aurais pu faire la paix là si ça broutille et virer sa flotte. Au fond là, l'anglais, j'ai ramené la flotte et du coup le siège était fait. C'est débile ce mec. Donc, la trousse expirée de with Grenada. Voilà.
Là, la Zerbi, machin, ceci, patin, couffin, comme ils disent dans le sud. Grenade s'est fait défoncer, comme d'hab. Occupé par Tlemcen. Tlemcen se fait défoncer en ce sens. Ah, putain, pourquoi je peux pas prêter des troupes à Tlemcen? Tu veux pas des condottieri là? Oh, il t'a un déficit et t'as des prêts, mais c'est pas grave, je t'ai prêté gratuit mes condottieri. Ma condottieri! Pour taper du marocain. La Castille, tu veux pas que je te prête mes troupes en condottieri? Ah bah si, condottieri. Ça. Bah ouais, en plus. On va aller taper du marocain. Vas-y, c'est gratuit. Oui. Hop, Trustworth Allies. Voilà. Ben ouais, je vais taper du marocain avec mon armée. Cool ça. Ah oui, la blague, c'est ça aussi qui est marrant. Quand on vous avez des. Des condottieri, je crois que la blague. Ah non, merde, putain, je peux pas tous les charger. J'ai fait une connerie, on peut pas les séparer. Ah, j'ai fait de la merde là. J'ai fait de la merde. Allez, on va aller faire le siège. Que je peux faire, ça marche, c'est du miracle. Le siège, la Renaissance. Où est-ce qu'elle a popé la Renaissance? C'est toujours en Italie. Toujours en Italie, ouais, À mais où? Urbino. Bah oui, ça aurait été bien, tu sais, genre si ça pop à Sienne ou à Gênes. Ah, et toi, t'en as pour 10 ans à voir la Renaissance. Tiens, cool, t'as un nouveau rival. Je m'en bats les couilles de ces mecs-là. Putain, les forteresses là, les forteresses marocaines. Oh, tiens, faut pas. Oh, il s'est fait défoncer, Tlemcen. Les charges, on va pas faire des charges. Diplomatique. Non, rien d'intéressant. Où est-ce que ça va popper? C'est Outa qui va popper. Hop, bon, on va pas en perdre ça. Le siège de Tanger est terminé. Ok, on va aller faire le siège de Fès.
Putain. Fort niveau 9, quoi. Ouais, quoi que je vais peut-être le laisser, c'est les rebelles qui le possèdent. Moi, je vais plutôt aller piller les provinces. Je me rappelle plus quand t'es en Condottieri. Si je pille les provinces. Comment dire? Si je pille les provinces, je récupère les thunes ou pas? Je crois que oui. Oh, c'est du double effet qui se coule, ça. Tes troupes gagnent de l'expérience, tu gagnes du prestige, tu affaiblis. Moi, j'aime bien faire ça des fois. C'est, je défonce un mec. En fait, qui est en guerre, on va dire, tu défonçais le PIA, qui est en guerre contre le PIB. Ben, toi, tu trouves, tu prêtes des troupes en camp de tir au PIB, tu vas bien défoncer le PIA. Une fois que tu as fini de le défoncer, que tu l'as bien fracassé, tu dis maintenant, je te déclare la guerre. Hop, l'armée est arrivée. Ouais, je vais aller te fracasser une petite troupe là, 2000 hommes. C'est absolument ingagnable cette guerre d'indépendance, que mes alliés sont trop cons. Faire quelque chose de bien. Sauf si je bouge le fion et qu'il se ramène, mais bon. Voilà, j'ai gagné. Des fois, je comprends pas les retraites. Là, je fuis jusqu'à Salamanque. Alors, je sais pas, t'as le fort de Grenade qui est là pour me protéger, mais non, on va jusqu'à Salamanque. Tu fais bon, d'accord. On va les ramener, comme ça, histoire de. Ah, mes troupes, j'ai du manpower, ça leur fait l'expérience. Copenhague, j'ai pas si mal. Hop, allez, je vais rapatrier mes troupes là-bas, je vais retourner faire du siège, sinon il va faire la gueule. Oh, vas-y, même pas que tu défends mon territoire. Hérétiques ont popé sur mes forteresses. C'est-à-dire que s'ils les prennent, le Danemark n'a plus l'avantage du score de guerre, puisque c'est pas lui qui contrôle les forteresses. Non, avec un peu de chance, il va les défoncer tes. Il va le défoncer, il va se prendre de l'attrition, il va tout. Ça va être du tout bénef pour toi. Là, ce qui est bien, c'est que le. Le Marocain, il se. Il a les. Et comment ça s'appelle? Il y a les indépendantistes qui se lochent. Donc, l'armée est arrivée. Putain, claquer. Le Golden Era, c'est le truc que je veux jamais faire. Ah, et là, le Marocain, il se tape des rebelles dans tous les sens. Et il a ses 14 000, les séparatistes de Tlemcen. Allman Power, ouais. Oh putain, il s'est fait défoncer le Marocain. Moi, Estesse. ça m'a fait du fric. Ah ouais, je me suis bien gavé quoi, je suis monté à 248 de pépettes, moi ça le fait. Névise. Séville.
13. Hop. Oh, la capitale est tombée aux mains des rebelles, c'est dommage. Je peux avoir mon indépendance? Oh ben bien ça, l'an de maintenant se modifie en moins 1. Je prends. Oh, ils ont arrêté mon Konotiri Arrangement, je ne comprends pas. Dommage. Ma diplomatique réputation plus 1, on va prendre ça. Ah oui, je me disais comment ça. Ah, je me disais je gagne du fric, ah ouais, c'est normal. C'est normal que je gagne du fric. J'avais les Condottieri. Donc là, comme un con, j'ai recruté des conseillers comme un sauvage. Hop. Je perds 100 administrative power. Non, je m'en fous, je vais prendre les 100 administrative power. Alors, mon honneur reste, je suis à plus 23 de national honneur reste, mais il n'y a aucun rebelle chez moi qui peut popper. C'est dommage. Montre que je vois là-bas ce que ça dit. Attends, elle est finie ta guerre d'indépendance? Oui, j'ai gagné. Non, putain, t'as assuré. Italie qui? Angleterre, Lituanie, Portugal. Ah ouais, d'accord, pas mal. Bon, ok, moi tu me vois pas. Non, t'as géré. Alors raconte-moi la guerre parce que je l'ai pas vue. Donc, pour ceux qui sont sur ma vidéo, donc j'ai vu que t'étais en train de te faire défoncer un peu partout et tu l'as gagné. Alors, c'est très simple. Je me suis fait défoncer. Ouais, ça j'ai vu. Net. Ouais. Du coup, je me suis dit, faire en sorte de faire durer la guerre le plus longtemps possible, il se peut que mes alliés se bougent un peu le cul et qu'ils fassent quelque chose. Je veux dire, tant que mes alliés n'avaient pas fait la paix, il y avait encore de l'espoir. Et là, pop, des rebelles ont popé juste sur la capitale. Ils ont pris le fort. Du coup, le Danemark n'avait plus le contrôle du fort. Donc, tous les points qu'il avait de son côté. Ouais. C'est mon objectif de guerre. De guerre. Et en revanche, l'Angleterre avait occupé une partie du Danemark, dont leur capitale Copenhague, et les avait mis en faible. Du coup, bah, avec les occupations. Ah ouais, putain. D'accord. Les séparatistes Morcon. Pourquoi ils veulent pas se faire convertir eux? Moins 0,7, on va les refourguer au clergé. North Morocco. View Edict. Enforce religion. C'est vrai que ça, avant, c'était le genre de truc qu'on pouvait pas le faire. Genre, Ceuta, on pouvait pas le convertir. Alors que là, tu le donnes aux catholiques, enfin au clergé. Tu mets le truc de, tu sais, la politique d'État de conversion, et bim, tu convertis. Ah, pas vite, hein. À 0,3. Ah non. J'ai envoyé mes troupes là-bas quand même. Oui. Diplomatique, non. La Castille. Amitiary Access, ça te dirait. Ask for Military Access. Merci, copain. Voilà, on va à Ceuta. On coupe l'entretien du fort. J'ai coupé les forts aussi.
un ting-ding de fin d'épisode. Ting-ting, exactement, de fin d'épisode, exactement, tu l'as si bien dit. Allez, je mets à pause, je ferme mes fenêtres. Voilà. Ok, bon, bah sur ce, les gens, on va s'arrêter là. Bah en fait, c'était plus intéressant, je pense, du côté de Serikai. Et ça va commencer à être intéressant dès qu'on va taper la colonisation, toutes ces conneries, quoi. Là, et après, on va être là-bas, on va aller taper. Moi, je vais aller taper très vite sur les peuples incas. Lui, il va aller très vite taper sur les peuples indiens. En fait, on va réécrire l'histoire, on va faire pareil, hein. Et voilà, et ça devrait être un peu plus dynamique. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mettre des commentaires comme d'hab, hein, et voilà. Et à nous faire connaître, et courir nu dans la rue, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, bon allez, ciao tout le monde! Au revoir tout le monde!